Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais fusionner deux univers, l'univers de Nintendo et l'univers d'Among Us. Franchement, je me régale, comme vous le voyez en live depuis un moment avec Among Us et les fusions que je fais. J'adore, étant donné que c'est très cartoon et vous le savez, de base, j'ai un style qui est assez cartoon. Du coup, ça laisse place à beaucoup de création et c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans le dessin. Du coup, cette vidéo, c'est un peu un récap des trois fusions que j'ai fait avec ces deux univers-là. Évidemment, si vous voulez des tutos détaillés sur chaque étape des dessins que je vais vous montrer dans cette vidéo-là et de tous les autres que j'ai pu faire, vous avez ma chaîne secondaire qui est là pour ça. Vous avez le lien en description. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres fusions dans l'univers de Nintendo. Dites-moi en commentaire aussi avec quel personnage. Et les amis, cette vidéo est sponsorisée par RhinoShield, que vous connaissez tous, j'imagine. Ils me soutiennent pour la deuxième fois, donc merci beaucoup à eux. Et cette fois-ci, je vais vous parler de deux autres collections. C'est évidemment la collection Fortnite qui est arrivée, les gars, sur RhinoShield. Je vais vous montrer quelques visuels qui sont là. Le petit lama, évidemment. Le camouflage bleu arctique. La banane, encore. Personnage emblématique que j'ai dessiné des centaines de fois, peut-être. Évidemment, Cuddle Team ici. Cela vous permet d'avoir une coque Fortnite, donc de vos personnages préférés, avec la qualité RhinoShield. Donc, on le voit directement. Regardez-moi les petites stries qu'on a là. Voilà, on sent directement que c'est de la très bonne qualité. Je rappelle que c'est ça l'argument principal de chez RhinoShield, hein. Ce sont des coques qui protègent réellement votre téléphone. Je rappelle que c'est vraiment fait pour que lorsque votre téléphone a un choc, une chute, quoi que ce soit, ça le préserve au mieux. Des fois, il suffit d'une mauvaise chute pour que le téléphone soit mort. Quand on sait maintenant qu'on a plein de visuels disponibles sur RhinoShield, là franchement, on n'a plus d'excuses pour protéger au mieux nos téléphones. Il y a également une collection Hunter Hunter. J'ai également reçu cette coque. Et en plus, les gars, pour le Black Friday, écoutez-moi bien, vous avez entre moins 10% et moins 60% sur tout le site RhinoShield, cumulable avec mon code promo de 10%, mon code promo chatdessin, voilà comme le nom de ma chaîne tout simplement. Vous avez évidemment tous les liens en description. Je vous ferai également afficher mon code promo à l'écran. Allez-y, faites-vous plaisir. Je mentionne aussi parce qu'en ce moment ce jeu fait beaucoup parler, ils ont également une collection Assassin's Creed Valhalla. Et évidemment, il y a aussi la collection approuvée par la NASA. Donc je vous laisse aller découvrir tout ça. Il y a évidemment encore plein d'autres trucs que j'ai pas mentionné. Et du coup les gars, c'est parti, je vous emmène pour la première fusion, Mario Among Us. Et voilà les amis pour ce premier dessin, donc Mario Among Us. Je le trouve super sympa, vraiment très 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 sympa. C'est certainement mon préféré avec le Bowser aussi. Voilà, je le trouve vraiment très très sympa. Donc, je vous disais ce que j'avais bien réussi à faire sur le Mario, c'est qu'en fait j'ai réussi à bien styliser le personnage. Et c'est pas forcément évident de réussir justement à styliser un personnage. C'est parti, je vous emmène pour le numéro 2, Bowser Among Us.
Voilà les gars, le petit Bowser Among Us. Dites-moi, c'est lequel votre préféré? Moi personnellement, c'est l'un des deux. Je dirais peut-être le Bowser, même si celui-là, il a pas l'ombre en dessous. Peut-être que si je fais l'ombre ici en dessous, ça compense un peu. Dites-moi ça en commentaire. Vraiment, je le trouve trop mignon. Voilà, franchement, il est nickel. C'est parti. Je vous emmène pour le troisième Yoshi Among Us. Voilà les gars pour le dernier de cette sélection, donc le petit Yoshi Among Us. Je pense que c'est celui qui me plaît le moins à moi. Je sais pas pourquoi, je sais pas si j'aurais pu rajouter quelque chose en plus ou quoi. J'ai pas l'impression. Voilà, il est quand même très sympathique. J'aime bien la petite banane ici, la petite caisse, la petite pièce. Voilà, plutôt sympa. Dites-moi si c'est le préféré de certains d'entre vous. Puis voilà, j'espère que cette petite vidéo récap des trois fusions que j'ai fait Nintendo Among Us vous a plu. Encore une fois, si vous avez d'autres idées de fusion Nintendo ou même autre, j'attends vos suggestions en commentaire. Merci à RhinoShield d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, hein, vous avez de très grosses réductions là pour le Black Friday, donc faites-vous plaisir si jamais il y a un visuel qui vous tente. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.